cadeau, un grand cadeau pour la sortie de scène de la semaine. Bon, grand cadeau, c'est Racha Arodaki là, qui sort cet album magnifique. Ce sont des on peut dire des suites hein, d'Aendel. Ouais. C'est chez Air Note. Vous êtes actuellement en tournée. Tout à fait. On va vous voir bientôt. Là, à la Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle. Mercredi prochain, le 19. Ouais, et, voilà. puis également le 27 juin, ouais, à Bagatelle. Chopin. On ne peut pas échapper. Alors, votre histoire, hein, c'est la petite fille de 3 ans, née en Syrie. Elle déboule à Paris. Ouais. Premier prix du conservatoire, le rêve. Ouais. Là-dessus, vous allez vous perfectionner un peu en Russie, après à Londres. Et puis alors, vous avez un combat, hein, Racha. Votre combat, c'est la démocratisation de la musique classique. J'essaye de faire en sorte que la musique classique sorte un peu du carcan élitiste dans lequel elle est un peu cloisonnée. J'essaye de faire que la musique classique soit pour tous, pour les jeunes, et aussi, je veux dire, qu'elle ne soit pas réservée juste ou à une élite, ou au troisième et quatrième âge, quoi. Mais alors, comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Bah écoutez, c'est quoi les recettes? Les recettes, c'est pas, c'est juste de faire en sorte d'aller vers les jeunes, en fait, d'avoir des actions qui sont beaucoup plus tournées vers eux, de se déplacer, d'être un peu moins aussi que dans les grandes salles, d'aller aussi bien dans les collèges, dans les lycées. Enfin, moi, j'ai vraiment une vraie action de ce côté-là parce que j'ai envie d'amener cette musique là où elle ne se joue jamais. Et il y a un impact tel que ça donne envie de continuer et puis de se battre pour ça. Alors, le meilleur moyen, c'est de vous écouter, Racha Arodaki. Voilà. Il y a d'abord, évidemment, l'album hein, qu'il faut acheter, non pas télécharger illégalement. Hein, c'est chez Air Note, c'est Aendel, suite pour clavier. Ouais. Hein, et puis on va vous entendre et puis chanter. C'est une musique sensuelle, sublime. Ouais. On va vous entendre chanter, excusez-moi, jouer au piano. Non, chanter. Ah, voilà, installez-vous, le menu en somme d'une heure. Et moi-même, donc, avant d'écouter Racha Arodaki. Et puis aussi, avant de donner la parole à nos invités qui, comme chaque semaine, auront le dernier mot, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition de Vous aurez le dernier mot.